porte une fois. Maman. Maman. J'ai ouvert la porte. La porte s'est pas ouverte. Restez ouverte toute la journée, toute la nuit ici. Comment? Maman. Mais Warriors. Bon, ils sont là en bas. La grosse vache qui est là dans la porte ici. Me voici ici depuis le matin. On m'a traversé ici jusqu'à. La police arrive. Hein? Venez me traverser, hein? Je vous attends. Maman, je veux pas partir d'ici, je veux vivre avec mes enfants. Les gens, s'ils veulent de mon appartement, si. Ils venaient récupérer, je m'en fous, je m'en vais. Je veux me partir. Maman, voyez ma vie. Regarde-moi, c'est ma vie, tu t'es droguée. Tu m'as fait pour la drogue avec toi, ton mari qui pour la drogue, non? C'est eux qui ont vendu en bas là. Les mesures qu'on a mis en prison en bas. C'est eux. Les indiques. Vous êtes les indiques. La police va nous trouver ici. Moi, je veux même partir. Je veux même quoi ici. On vous a dit que je suis dans l'HLM. Hein? Je veux partir. Ça, putain, avec des grosses fesses. Tes fesses sont larges. Ton mari ne te baisse pas. Regarde-moi ça. Il aime les scènes debout. Le tout, c'est alors. Je veux faire tout ici. Mais sache que je ne partirai jamais d'ici. Tu entends? Le jour que je pars, toi je suis pas aussi. Ça chienne, pédasse. Depuis le matin. Ah. Hey. Il fait même quoi ici? Il voulait pas la tour Eiffel. Il veut venir habiter ici parce qu'il veut voir la tour Eiffel. Putain de bordel. Hein? Elle s'appelle comment là? Attends, parce que là. On va aller très très loin, ça va aller très vite, hein. Regardez-moi, ce n'est pas comme ça. Maman, ils ont un petit garçon là-bas. Le garçon, maman, ils vont seulement bagarrer avec moi. Ils sont là, appeler les gens. Elle s'appelle... Hey, je sors pour faire mes choses, mes voyous. Mes choses. Vous me voyez ici. Ah! Wow, 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 wow. Quelqu'un peut tuer quelqu'un en France pour la maison. Ah! Ils veulent prendre ça. Ils prennent, non, je m'en fous. Venez prendre la maison, si vous prenez. Prenez la maison. C'est pas vous qui jugez. J'ai un avocat. Venez prendre la maison. Prenez. Je partirai d'ici quand je vais partir. Comprenez? Je partirai. Vous êtes né dans les HLM, dans les HLM. Il y a un peu de sac à vos pieds. Vous ne pouvez pas avoir des barillons et des barillons. Ça chie, pédasse, salope. Maman. Ouais, 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 ouais. Mais voilà. Les Arabes, pour eux, quand ils ont les HLM comme ça, c'est leur vie. Moi, je rêve d'un pavillon. Je ne les ai rien fait. Vous me demandez pourquoi je dois ici? Je dois dire, parce que chez moi, je n'ai pas le droit. Hein? Je n'ai pas le droit de marcher avec des petits babouches. Je dois marcher comme ça. Chez moi. Je paye. Hein? Ils sont en bas. Boum, boum, boum. Faire des Wallows. Regardez où je vis. J'ai trois, deux grandes chambres. Les Arabes traumatisent en bas. Ils viennent ici, ils font boum, boum. Maman. Hey, Fadila. Hey. Fadila. 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 Je suis comme moi, je suis camerounaise, j'entends. Une camerounaise.
tu es là. Quelqu'un des femmes, tu es là. Fadi là. C'est ça. Ne venez prendre cet appartement. Hein? C'est votre vie. Je vous dois bien. Je suis calme dans ma petite vie. Je vous dois bien. Putain de bordel. Hein? Je veux partir. Je veux me partir ici. Oui. Appelle la police. Comment? Je veux vivre. À la vie, je dors ici. Moi aussi, je dors. J'ai deux méchants. À cause de la salle d'alarme qui sont en bas. La salle d'alarme. C'est quoi? Quand je baisse mes warriors, elle fait boum boum. Hein? Quand je marche chez moi comme je suis un chat, je suis un chat chez moi. Elle me voit le système de chat chez moi. Je n'ai pas de vie. Ils sont heureux. Moi, je ne suis pas heureuse. D'abord, je joyeux dedans. Au canapé. Vous savez pourquoi je dors au canapé? Quand je me lève le matin, quand je me lève pour aller faire pipi, je fais souvent que ça fait comme ça. Vous comprenez? Que ça graisse un peu, qu'il se fâche. On dirait qu'il ne dorme pas, il n'a pas de vie. La vie, c'est. Il veut une poêle à pâte. Comme il y a d'autres comme excuse. Et c'est bon. Je veux l'expulsion. Comme excuse. Je veux l'expulsion. Rapide même. Je veux comme excuse. Expulsez-moi. La police est là, prenez-vous. Bonjour, monsieur. Bon, voici ici. Ça a commencé depuis la semaine dernière. Je vais mettre le masque. Je vais mettre le masque. La police est là. Voilà. Donc. Bon. Je prends d'abord mes papiers, je vais montrer mes papiers. Je vais vous dire d'abord mon état d'âme. Ces gens qui sont passés, ils sont arrivés ici en 2018. Moi, je suis ici en 2014. Dès qu'ils sont arrivés ici, c'est la question. Ils viennent là, ils touchent ma porte. Vous avez vu la porte ici, c'est eux. Ils sont dans la porte. C'est eux. Depuis des années, ils m'ont baissé. C'est comme ça que toujours, j'étais ici, on a mis à moi et des amis aussi, nous avons pris bien là-bas. Une fois que le temps m'a pressé, voilà, mes doigts ici. Je n'ai pas le droit de t'aider chez moi. Je n'ai pas le droit de t'aider chez moi. Non. Je dois manger comme le chat chez moi. Parce qu'elle là, la bonne pute, la salope qui est en bas là. On essaie de se calmer. Elle va déjà faire le truc de HLM que je quitte ici. Moi, je suis bien guidé. Je veux partir. Et là, je ne peux pas porter. Elle, là, elle va commander l'immeuble avec son mari. Il veut prendre tous les meubles. Vous vivez seul ici, non? Je dis ça, mais ça prend de temps en temps, je suis là. Oui. Il y a qu'un papa. Si vous me donnez ça, c'est pas papa. Oui, s'il vous plaît. Mais oui, mais je voulais donner ça. Voilà ma vie ici. Hé hey! Mais là, il faut accepter, vous venez pour faire chez moi. Hey, je n'ai pas de vie. Elle me menace avec ses frères arabes tous les jours. Hey, hey, hey. Si le cadre est vous la mettez comme ça, rien. Non, rien. Hey. Hey. Hey, vous l'appelez, non? Moi, je veux partir, hein. Comme je veux partir, je n'ai plus de perdre. Hein? Voilà. Hein? J'ai mes amis qui viennent de me rendre visite. Tu penses être heureuse un peu? Madame, calmez-vous, on essaie de savoir un peu ce qui s'est passé. La dame Banda, elle se plaint comme quand vous êtes allé, vous avez donné des coups à sa porte. Ok. Et puis vous lui avez traité de salarabe. C'est vrai ou pas? Elle m'a dit quoi? De bounou, sa chienne, celle noire. Bon, ok, donc elle vous a mené. Tu n'as jamais tourné un coup. Elle aussi, elle a fait des menaces raciales sur vous. Oui. Ça fait des années, nous, on est au tribunal, hein? On est au tribunal avec elle. D'accord. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, 06.
06 oui. 03 Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez là, est-ce que vous avez, vous êtes au tribunal par rapport à... Avec oui, mais c'est pas toi qui a... Non, vous avez déjà déposé des plaintes. Mais oui, on va au tribunal, mais c'est pas toi qui commence à faire des problèmes pour que leur dossier gonfle. Mais pourquoi chacun ne reste pas de son côté? Mais je sais pas, c'est pas qu'ils viennent. Ils ne font pas comme ça. Il y a des preuves. Parce qu'en bas, ils se plaignent de la même chose, et vous venez de la même chose. Et vous la serveur, mais demandez-les. Demandez-les, ils me menacent depuis. Oui, c'est eux. Son mari, il vient là, il se met tout. Chaque temps, on me menace, chaque temps. Eux là. Mais je ne peux rien faire parce qu'ils sont que je suis seul. Dès que j'ai un peu les amis qui viennent me rendre ici, ils sont fâchés. Ils viennent carrément. Ils viennent. Vous n'avez pas essayé une médiation auprès de la mairie de Suresnes? On a essayé et ils ne sont jamais venus. Ah. Ils ne viennent jamais. Pardon, ils ont dit. Et voilà. Vous ne faites pas quoi? Moi, j'étais parti d'ici. Bon, en tout cas, il faut vous calmer. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes allé en bas pour taper aussi? Ne jamais tapé là-bas. Dites-nous la vérité. Ils n'ont jamais tapé. D'accord. S'ils ont, là où j'ai tapé, ils m'ont tapé. Mais eux, ils sont venus taper ici trois fois. Et c'est fini. Là, mais écoutez où? Vous avez filmé aussi. Voilà, moi j'ai jamais filmé. Je suis seul chez moi. Et mon filmé quand j'ai filmé ici. J'entends. Le petit garçon qui est là est venu pour me tabasser et tout. C'est tout. Je n'ai jamais toqué à leur porte. C'est eux qui sont venus toquer ici. Et c'est comme ça que mon ami aussi a toqué là-bas. C'était samedi. On est dans. Mais de toute façon, ça ne peut rien. Ce qu'on parle à ce moment, ça sert à rien. Parce que moi, je ne peux pas être ici. Tu ne veux pas là où je dors. Quand je baise, il n'est pas content. Quand je marche, il n'est pas content. Comme je le sais, moi je suis une belle femme. Je ne peux pas. Ça, c'est quand je dis ça. Je perds mon loyer. Hein? Je ne peux pas baisser. Quand je baise, il tombe. Il tape. Faites ce que vous voulez. Je ne peux rien faire. Peut-être que vous criez un peu trop fort. Mais je l'ai crié, mais pour moi, je suis le serpent. Et que le serpent. Tu as entendu quand c'est pas l'amour crié, elle reste le policier. Alors, tu ne veux pas, moi je veux partir d'ici. Il me laisse tranquille. Comme ils voulaient prendre l'appartement, ce qu'ils viennent chercher. Est-ce que vous avez déjà fait des demandes pour partir? Pour partir? Mais c'est pas vous qui dites que vous voulez partir. C'est elle qui entre en débat pour partir. Ah, c'est vous qui faites. Mais oui, ils voulaient que je. Ils ont demandé, ils ont fait la demande pour partir au courant et tout. Mais oui. Ils pensent que je vais quitter ici vite fait comme ça. Il ne partira pas ici comme ça, facilement. Pas du tout. Je vais rester ici jusqu'à après, je resterai ici. Quand je vais partir, je partirai. Hein? Elle m'a dit que j'ai dit comme ça l'arabe. Ah. Hein? Elle me traite de négresse. Femme plus droguée tous les jours. Elle se dit la mitière de tout le monde. Vous savez quand même. J'ai dit que. Chacun s'insulte. Partir, donc. Mais qu'elle me laisse tranquille. Parce que si elle fait comme si j'appelle mon gambang là, ça va être chaud ici. Quand elle me laisse, je vis seul ici, mes enfants ne sont pas là. Vous comprenez? Je suis là dans ma petite maison. Bon, madame, je ne dérange personne. Madame, est-ce que vous pouvez vous calmer? Là, on est là. On est obligé d'écouter les deux parties. Il dit que je ne peux même pas. Il dit que, comme elle fait l'appartement, je suis pas en que je me calme là. Quand elle vient pour l'appartement, je viens de rentrer du travail. Ça arrive souvent? Non, ça n'arrive pas souvent. Mais comme tu dis, on doit aller au tribunal. Pardon, mais le tribunal, elle cherche les problèmes pour qu'elle va porter plainte, pour que son dossier augmente. Mais je ne veux pas, pour moi, c'est que moi, je veux partir d'ici. Je ne suis pas venu pour que tu dans les HLM ici. Je veux partir d'ici. C'est un petit séjour pour moi. Moi, je veux partir. Moi, je serve l'appartement, je laisse l'appartement volontiers. Pas parce qu'on m'excuse. J'ai mes enfants, j'ai ma première fille à 27 ans. 26 ans, j'ai mes enfants, j'ai une maison et tout, je vais vivre avec eux. Mais qu'est-ce que ça fait? Il y a deux semaines ici, depuis trois mois, on est calme, on se dit bonjour, il n'y a pas de problème. Mais c'est un homme. Elle envoie son petit bâtard là, il vient tout de suite.
Bon, maintenant vous savez ce qu'on va faire. Là, on va vous demander juste de fermer la porte. On va aller voir votre voisin là-bas. Et après, on va remonter. On est obligé d'écouter les gens. Je ne veux pas que vous remontez mon voisin. Parce que moi, je ne veux pas dire cet appartement. Oui, mais pour l'instant, vous êtes là. Oui, oui. Faire avec mais madame, elle se fait tout le temps. Elle boit les médicaments. Elle a fait ceci. Mais moi, il faut me dire que moi, je suis prêt à partir. Mais il faut me dire que si je partirai d'ici, elle partira aussi. Je suis camerounaise. Elle, je ne serai pas une fournite comme elle là. Me faire ça. Elle a envoyé son petit garçon là, me caresser. Aujourd'hui, je ne vous ai pas raconté. Aujourd'hui, il est monté ici. J'ai entendu plus, je dormais ici, comme ça. J'ai entendu plus, moi, nous avons aussi la vie. Vous êtes attaqué? Oui, oui, oui. Le petit bien, un petit garçon là-bas chez eux. Oui, c'est lui qui me regarde maintenant. Il me dit, il m'a sorti le couteau. Il me sort le couteau. Mais je vais partir d'ici. Quand aujourd'hui? Mais ce matin, je sais que je dois compter sa mère pour te plaindre. Et mon père, je l'ai dit à 17h. Oui, oui, il me menace. Je n'ai même pas de puissance d'escalier. Oui, il faut le voir, il a le couteau. Il venait m'écorcher. On va aller tirer ça. Ok, je suis là. Ferme la porte, ça se fait quand même. D'accord. Ouais. Mais Wados, avec moi c'est chier comme ça. On m'a dosé aujourd'hui. Ils me sont même. Ils me j'ai déjà envoyé tous les dossiers. Non. Maman. Cherchez mes dossiers. Bah, attends.
Voilà mon avocat. Non, je ne peux pas les montrer ça. Je donne un. Voilà. Hein? Voilà. Voilà le tribunal. Non, pas le tribunal. Non, non, non. C'est lui qui s'occupe de ça. C'est pas ce que je veux. Vous voulez quoi? Votre plainte. La plainte. Mais viens, tout ce que je prends de pêche, j'envoie à mon avocat. Ouais, mais vous avez une copie. Je n'ai pas de copie. Ben oui. Pour avoir une copie. Parce que là, je dois aller au tribunal et faire trois ans. Quand vous déposez plainte, il faut garder une copie pour vous. Bah, c'est vous la copie. Moi, je donne tout. On est au tribunal, regardez le 23 ans. Ben oui, on est au tribunal. Avec ils veulent quoi? Moi je m'affiche, je veux quitter ici. Je vais laisser la marche de la merde. Dis donc. Hein? Ils veulent quoi? Bon voilà, vous fermez votre porte. Oui. De chez vous, d'arrêter de cuisiner, de parler avec vos voisins. Mais je n'ai pas le jamais avec eux. C'est eux qui m'ont agressé. Bon, ce sont les agresseurs. Madame, l'avocat, non? On me demande que ça me tient aussi, que j'ai envoyé à mon avocat. Je suis bête. Hey. Maman, il y a quoi ici, Noël aussi? C'est la vue? Hein? C'est la vue? C'est comme ça que ça se passe. J'ai dit oui, j'ai ça, mon avocat. Eux aussi, ils ont demandé pour eux là-bas, ils ont dit qu'ils ont aussi envoyé à l'avocat. Alors, pourquoi je vais demander la plainte que j'ai fait? Je vais vous faire quoi? Ce sont les policiers municipaux après tout, hein? Maman! Oh, 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 vous m'avez dit quoi, madame, là, vous rentrez chez vous? Eh, c'est pas possible, là! Et là, on va commencer à s'énerver, madame, je vous dis. Vous parlez quoi avec vous? Vous rentrez chez vous? Oh! Hein? J'en ai marre de toi! J'en ai marre de moi, c'est ta maison! C'est ta maison! Je reste ici! Un mot sur ta fête, c'est ta maison. Salope. Fermez votre porte. Est-ce, maman, est-ce que je les embête? Je les embête. Je vais vous embêter tous les jours. Tous les jours. Salope, bien folle. Pédasse. Écoute-moi alors, je les embête. Regarde-moi les gens. Depuis 2 mois, je suis calme ici. Tu nous embêtes. C'est ton immeuble! C'est l'immeuble de ton père! C'est l'immeuble de ta mère! Hein? Viens, pute! Maman, fais ma part de dignité ici en France. Vous l'entendez? Maman, je suis mon calme là. Elle cherche les poubelles uniquement. Mais je veux partir d'ici. Je n'ai rien à foutre. Je vais en province. Je pars en province, Nicolas. Regarde alors. Mais pour faire ce que j'ai tous les toits, je dis que je ne peux pas laisser. Elle parle. Mais pour faire ce que, vous savez, comme je vous dis, je suis une femme qui est fière. Il y a un problème. Moi-même, je veux même partir d'ici. Est-ce que je les embête? Mais restez alors ici. Je fous quoi ici? Hein? Maman, j'ai dit que c'est toi qui la pose pas. Je dis que je veux bagarrer aujourd'hui. Regarde-moi la
je les embête. Tu vas quitter ici, je m'en fous. Hein? Fadila, je vais partir d'ici. Maman, tu es née dans le HLM. Garde le HLM. Et tu vas mourir dans le HLM. Moi, je vais autre chose. Maman, écoute-moi. Est-ce que je les embête? Je vais embêter avec quoi? Hey, Fadila, ma soeur. Fadila. Ok. Alors, c'est facile. Elle me sort. C'est quoi qu'elle est française? Elle sort que la carte de séjour, ma. Toi, la carte de séjour, moi, la carte de séjour. On discute quoi? Là, les meubles ici. Oh, Fadila. Ouais, voilà ma vie. Regardez là où je dors. Quand je baisse, elle n'aime pas. Oui. Je dis que, hein, elle et moi, ça. Ouais. Vous voyez les gens. Je vais aller chercher l'action. Action, voilà. Parce que les Arabes avec les Noirs ne s'entendent pas. Là où elle est là. Elle veut que sa famille vienne habiter dans dans mon appartement ici. Comme ça, ils vont faire une chaîne. Une chaîne de trucs. Une sale maman. Mais pour ce que ma, ne me dis pas ça, tu sais quelque chose, il y a des choses que dans la vie. Moi, je ne veux pas rester ici. Si je reste ici, c'est parce que c'est un but. Tu entends? Mais il faut tenir tête aux Arabes. Parce que les 16 Arabes de merde, tu m'entends? Ce sont les gens qui menacent toujours tout le monde. Parce qu'ils veulent gouverner dans les immeubles. C'est reconnu ici en France. C'est leur but. C'est pour qu'ils n'aiment pas quand le noir est au-dessus de lui. Hein? C'est ton nom? Donc c'est ça! Hein? Mais ce matin-là, où j'ai fait comment? On m'a dit que le petit garçon est sorti. Je me dis, ouais, je suis parti comme porter plainte. Quand il y a eu la personne, je me dis, de venir à 17h. J'ai dit que, ouais, tu vas durer jusqu'à 17h. Tu fais mes petites choses que j'avais à faire et tout. Moi, voici, quand je monte là, ça commence. Qui? Ce n'est plus question que j'enregistre. Moi, je vais y quitter ici. Je vais quitter ici. Je m'en fous. Je ne veux pas rester à cet appartement. Je veux partir. J'ai besoin de calme. On ne peut pas. Même quand je baise, maman. Jusque lui. Maman, ils sont avec moi. Boum, boum, boum. Est-ce que je les dérange? Est-ce que celle-là, hein? Maman, j'ai dit que. Hein? Dès que je pars ici, elle part aussi. Parce que tu ne me connais pas. On est Satan. Tout le monde en parle. On l'enlève, on m'enlève. C'est quoi? Depuis je suis calme ici. Je ne fais mes petites vidéos calmes. Et c'est eux qui viennent, ils font boum, boum, dans ma porte. Maman, je m'appelle Waris. Waris. Maintenant. Et bien cogner, boum boum, voir social, comme voir ici d'abord quand j'étais là, voir ça courir, maman, voir ça lève, il a le coup de pied que voir ça fait, boum, ils ont fait, voilà c'est ici. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, on tue les gens pour moins que ça. Je ne veux pas mourir ici, pour l'appartement ici. Mais je veux mourir ici, maman, pourquoi tu es comme ça? Depuis, on est bien calme, même si les gens ici, il n'y a pas de problème. Maman, je sais que quoi? Mais les racistes, maman, les Arabes sont toujours racistes avec les Noirs. Quand, maman, je plains les sales femmes noires là qui vont faire des enfants, les Arabes là, franchement.
Vos enfants là-bas, elles sont sanguinaires comme leur père. Regardez, les Camerounais sont là partout, les enfants, les Arabes. Putain de bordel. Hein? Vous savez ce que c'est que vivre avec, les gens qui avaient un casse en bas. Le traumatisme de ça, chaque jour tu ne peux pas manger. Même quand tu prépares, on dit que ça, ça sent. Quand tu marches, on dit que ça sent. Tout ce que tu fais, tu es pute. Les gens montrent qu'ils vont en haut, c'est toi. Moi aussi, si je dois, si je n'aime pas les clients, ils disent, maman, c'est moi. Parce qu'ils aiment le contrôle. L'homme arabe adore le contrôler. Moi, ne me contrôle pas. Ouais. Ils m'ont trouvé. Je suis ici depuis 2014, Niwaros. Et ils arrivent en 2018, les problèmes ont commencé. On voulait voir là. Non, avec les problèmes, avec qui? N'est-ce pas, je fais des vidéos, avec qui? Son mari est tout comme deux pommes. Comme les poux. Gros. Mais ils sont racistes. Un arabe qui est raciste, c'est que toi-même tu sors, tu n'es pas africain. L'autre, ils ont tu avais dit, qui avait dit que les arabes nous ont vendus depuis 400 000 ans et tout ça, vous comprenez l'histoire. Mais lui, ils sont contents. Mais moi, aucun arabe m'a vendu dans ma famille. Il n'y a pas de dans ma famille. Regarde-moi ça. Et tu la vois, une sale pute avec des grosses fesses comme ça. C'est ça. Mais venez prendre. Vous voulez quoi? La vue? Va dire la main, viens. Il y a la vue là, vous venez prendre, je m'en fiche moi. Je vais dans la province, dans une maison de province, me reposer. Je n'ai pas besoin moi. Tu crois que là où je suis seul ici, il va les bagarrer seul là-bas. On va me tabasser là-bas jusqu'à. Si je suis avec les gens, ils m'ont aussi bagarré. Non, si je ne suis pas de bagarre avec eux. Tu veux quoi, mon tabac, ça va que roua. Et comme ils aiment les couteaux là, ils vont me poignarder que maman va couper mon sein. Mais parce que la femme là, tu sais qu'elle me regarde, non? Quand elle fait les tirs comme ça, avec mes seins et tout, parfois je sors là, elle fait comme ça. Eh, je dis qu'elle m'a pas de problème, ne sort jamais loin. Hein? Ah, ben. Bon, je m'en fous. Les détracteurs sont toujours là. Ils aiment bien quand je m'en fiche. Ils aiment bien. Tu crois qu'on fasse quoi? Je m'en fiche. Et que je suis venu pour vivre ici. Moi, je vais aller dans le château comme Alexis Carrington. Je vais vivre où ici? Dans un garde ici. Regarde la tour Eiffel. Pardon. Comme Jasmine, je pars vite. Parce que moi je suis prêt, maman. Je m'en vais moi en province. Là, il y a mes enfants. Je prends ma maison là-bas en province. C'est... Maman, les maisons sont même moi, j'ai 300, 400. Je m'en vis là-bas. Mes enfants vivent là-bas. Moi, je ne prends pas ma maison. Je fais même quoi ici? Ah, je viens à sauver. Et mon daddy. Il me dit qu'il n'a même pas la bonne chance. Depuis que je n'ai même pas du mon poivre, c'est. Les gens me disent, hey! On va venir m'égorger ici par rapport à quoi? Hein, tu. Ils sont prêts à tout égorger quelqu'un pour avoir la maison, mais moi je veux partir, je m'en fous moi. Je ne sais pas quand je suis venu au Cameroun ici. J'ai abandonné tout au Cameroun. Je suis venu ici. Mon mari et moi, j'ai abandonné tout cela. Et puis tu as abandonné tout aussi, je m'en vais. Hein? C'est l'être humain qui est important. Ce n'est pas le matériel. J'ai la moi une petite. Je te dis que ça me voit. Mais voilà. Je vais vous laisser. Ah non.
Hey. Moi, je veux partir. Je m'en fiche, moi, Tao. On a le même problème. On a le même problème, hein. Et... Parce que j'étais chaude là pour aller bagarrer. Chaude. Mais comme j'ai vu que je n'ai personne à côté, je n'ai personne. Ah, moi, tabassé là, moi, tiré au son. Ah, seul. S'il y avait deux personnes là, mouf. Et même, ça allait pas n'être que roi. Maman. Ouais, ouais. Eh, Anke. Abonne à la babé, tu ne y a pas eu aucun alou. Ouais, ouais. Eh, tu nous emmerdes, maman. Tu veux descendre comme ça dans le miroir, tu veux soulever comme ça. Tu veux soulever ça comme ça. Que voilà. Moi, j'ai ce que tu n'as pas. J'ai ce que tu n'as pas. J'aime beaucoup les beaux seins. Vieille crevate à sa mort. Mais déjà, franchement, il y a des choses que parfois, quand tu as la dépression, voilà, les gens conseillent pour vous mettre dans les états. C'est foutu que les états. Cueille. Putain de bordel. Ils sont là, j'ai appris dans les immeubles. Comment ils font, ils traumatisent les gens dans les immeubles. Mais parce que moi, je m'en fous, je ne suis pas comme les autres. Moi, je veux partir, hein. Moi j'ai envie de partir d'ici. Ben oui, moi j'ai envie de partir. Hein. Oui, moi je veux partir d'ici. Moi je m'en vais d'ici. J'ai envie de partir d'ici. J'ai pas envie de rester ici. J'ai envie de partir, de me casser ici. C'est pas possible. Moi je m'en vais d'ici. Putain. Je n'ai pas de vie. Je baise, ça ne va pas. Même quand j'ai mon matelas au sol, je baise, ça ne va pas. Je dis ça ne va pas. Jusque je baise, ça ne va pas. Et c'est elles qui sont les premières à se plaindre. Ah. La porte se va rester ouverte comme ça. Il a m'égorgé une fois. Ah. Maman, les gens ont le château. Que tu peux envier. Toi, tu viens envier ta voisine en haut parce que là, petit HLM, tu viens l'envier. Tu veux prendre le HLM. De toute façon, je n'ai jamais rien à foutre. Je vous laisse.